الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراب أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mes chers frères et sœurs, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons aujourd'hui une pensée pour nos étudiants. Pour nos étudiants et étudiantes qui sont en plein processus d'examen. Nous ne pouvons qu'invoquer Allah Azza wa Jalla qui leur accorde la réussite dans leurs examens, le succès dans leurs épreuves. Et que, Inch'Allah Ta'ala, cette année soit une année de bilan, une année de récolte, et qu'ils puissent en même temps profiter de l'été pour préparer la rentrée scolaire par la grâce du Seigneur du Très-Haut. Qui dit examen soulève une question importante, une question fondamentale. Comme disaient certains de nos professeurs, ils disaient que les examens universitaires, scolaires, ne sont que des examens, ça porte bien leur nom. Mais le vrai examen pour lequel il faut se soucier et espérer réussir, comme disaient de nouveau nos chers professeurs, Echour, c'est l'examen de demain, dans l'autre vie. Parce qu'ici, il est toujours possible de repasser certaines matières, recommencer son année, ou pourquoi pas, de changer de domaine ou de section. Mais toutes ces options que nous offrent les examens d'aujourd'hui, nous ne les avons pas dans notre vie. Dans notre vie, il n'y a qu'un seul examen. Et dans cet examen, ou bien on réussit, Inch'Allah, avec succès, ou on échoue lamentablement. Et là réside le danger par rapport à cette vie d'ici-bas, bien que nous soyons amenés à y vivre, à travailler, à nous y investir, à profiter aussi de la vie, bien entendu. Mais en même temps, à côté de cela, ce qui pose aussi parfois problème, c'est que nous laissons emporter par cette vie comme une personne en mer se laissera emporter par les vagues, au point de perdre le contrôle de sa vie, au point d'être marqué par le sceau de l'insouciance. Elle vit au jour le jour, elle travaille, elle consomme. Toute sa vie tourne autour du travail, autour de la consommation.
Elle ne se pose jamais de questions. Que vais-je devenir après la mort? Qui vais-je rencontrer après cette vie? En fait, toutes ces questions logiques et sensées qu'Allah Azzawajal a permis à l'être humain, doué d'intelligence, l'animal, lui, n'a pas cette faculté-là. Nous, nous l'avons. Ces questions pertinentes, ces questions logiques que chaque individu est amené à se poser, et davantage encore pour ce qui est d'un croyant, lorsque nous sommes pris par les tourbillons de l'insouciance, par les tourbillons de nos activités au quotidien, parfois nous oublions l'essentiel. Et c'est là que reste le danger. Parce que la foi, c'est comme une plante. Lorsque vous ne nourrissez pas une plante avec de l'eau, lorsque vous ne la mettez pas à l'endroit adéquat pour qu'elle puisse recevoir de la lumière, la plante meurt. Il en sera de même pour ce qui est de notre foi et de nos œuvres aussi. Nos œuvres, ce que nous produisons au quotidien comme œuvres, elles ne sont que le reflet de la foi qui nous habite. Et la qualité de nos œuvres est aussi fonction de la qualité et du niveau de notre foi. Quelqu'un qui néglige et bafoue la prière, c'est une preuve que sa foi est défaillante et même très défaillante. Quelqu'un qui ne surveille jamais sa langue, qui est tout le temps dans la médisance, dans la moquerie, dans la curiosité malsaine, dans la calomnie, c'est aussi une personne dont sa foi est arrivée en chute libre dans un état critique, de situation critique. Et la foi s'alimente aussi. La foi s'alimente par des actes de piété, par le rappel de Dieu, par le travail sur soi, par la lecture du Coran, par l'acquisition d'un savoir utile, par ce qui pourrait me nourrir, me faire évoluer, me faire cheminer jusqu'à la rencontre de celui qui m'a créé et qui m'attend dans l'autre vie. Voilà donc, mes chers frères et sœurs, c'est à cet examen qu'il faut se préparer. Un jour, on a demandé à l'imam Ahmed ibn Hanbal, on lui a demandé, quand le croyant connaîtra-t-il le repos? Sa réponse, elle est incroyable. Il dit, lorsqu'il posera son premier pied au paradis, lorsqu'il fera son premier pas au paradis, c'est là qu'il goûtera le repos. Vous l'aurez remarqué, l'imam Ahmed ibn Hanbal n'a pas dit lorsqu'il sera dans sa tombe ou lorsqu'il mourra, non. Il a dit lorsqu'il posera pied pour la première fois au paradis. Pourquoi? Parce que la tombe elle-même est une épreuve. Le jugement dernier est une épreuve. Et la vraie paix, la quiétude, c'est lorsqu'on passe le cap et qu'on se retrouve de l'autre côté. Pour cette raison, il y a une expression erronée, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous musulmans, une expression erronée, que lorsqu'on accompagne un cortège funèbre pour enterrer la dépouille mortelle de cet individu décédé, nous disons, nous l'accompagnons à sa dernière demeure. Ceci est une expression qui est incorrecte aux yeux de notre foi et de notre croyance musulmane, parce que la tombe n'est pas la dernière demeure. La tombe est une demeure intermédiaire. La dernière demeure, c'est soit le paradis, et nous invoquons Rabbul Alamin qui nous l'accorde malgré nos manquements et nos faiblesses, et c'est soit l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Ça, c'est la dernière demeure. Et c'est pour ça que le croyant doit travailler. En fait, toute notre vie, nous nous préparons à un double examen. Le premier examen qui va déjà annoncer la couleur, c'est l'examen dans la tombe. Lorsque les deux anges, Munkar et Nakir, se présentent auprès de nous et qui nous interrogent. Le prophète, lorsqu'il avait terminé d'enterrer quelqu'un, il restait quelques minutes auprès de la tombe du défunt en invoquant en sa faveur et en invitant les personnes présentes à en faire de même. Il leur dira: Saluli akhikum al-tathbit aw al-thabat fa innahu al-an yus'al. Demandez et implorez en faveur de votre frère ou de votre sœur que ses pas et que sa foi soient raffermis, parce que maintenant il va être interrogé. Au moment où on se frotte les mains de cette terre par laquelle on a couvert sa tombe, c'est à ce moment-là, au point qu'il entend le bruit des chaussures et sandales des gens qui s'en vont. Vous imaginez? C'est une scène ahurissante, elle est terrible. Ça, c'est le premier examen. C'est une sorte de pré-examen. Et c'est cet examen-là qui annonce la couleur par rapport à ce qu'il y aura dans l'autre vie.
si on s'en sort avec cet examen, il y a encore l'autre examen de notre vie, qui lui aussi sera très éprouvant. Mais déjà, nous sommes sur la bonne voie. Donc toute notre vie, nous travaillons, inch'Allah, à réussir ce double examen. D'accord? Ce double examen pour lequel il n'y a pas de repêchage possible. Je ne sais pas faire marche arrière, revenir sur terre en espérant faire mieux et meilleur, et puis retourner de nouveau vers notre vie. Ce n'est pas possible, parce que nous n'avons qu'une seule vie. À nous de réfléchir, inch'Allah, mes chers frères et sœurs, sur ce point-là. Et j'ai trouvé cette réflexion intéressante au regard de nos jeunes qui sont en plein examen maintenant. Nous invoquons Allah Azzawajal qui leur accorde la réussite dans leurs examens, le succès, et que le reste de leurs études soit, inch'Allah, pour eux, une bénédiction et, inch'Allah, une opportunité ouverte pour qu'ils puissent servir leur communauté, leur famille et la société aussi, bien évidemment, là où ils se trouvent. Voilà, pour ce qui est de ce petit rappel, inch'Allah. Maintenant, nous allons sans plus tarder passer aux questions. Alors, quelqu'un se demandait, qu'en est-il des dédicaces de livres? Voilà, il se demandait, est-ce que, voilà, faire des dédicaces pour un livre, est-ce permis? Je pense que ce frère fait allusion, je ne suis pas souvent sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, de ce que je reçois comme écho, je pense qu'il fait allusion à cette petite agitation que certains font planer sur les réseaux sociaux dès qu'il y a un événement où un auteur vient présenter son ouvrage et qu'il y a une séance de dédicace prévue. Certains s'agitent sur les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas permis. Est-ce que vous avez entendu l'imam Malik, rahimallah, dédicacer l'un de ses ouvrages? Est-ce que tel savant et tel savant contemporain ont-ils dédicacé leur ouvrage? Quelqu'un qui tient ce genre de discours, c'est quelqu'un qui est victime de son ignorance. C'est une personne qui n'a pas goûté au savoir et à l'ilm. Parce que quelqu'un qui a goûté à l'ilm, qui a été dans le talab et l'ilm, qui s'est investi dans l'étude islamique, il ne tiendra pas ce genre de discours très simpliste, très réducteur et limite insultant pour ces savants qu'il a cités. Limite insultant. La première question qu'on se pose par rapport à... Là, d'ordinaire, je n'aurais jamais prêté attention à ce genre de questions, mais vu que certains frères s'interrogent, je me suis dit, pourquoi pas en faire une question pour notre live. La première question qu'il faut se poser, ces dédicaces qu'un auteur fait, de quel ordre relèvent-elles? À quel champ appartiennent-elles? Appartiennent-elles au champ de l'adoration, dont nous savons que les adorations sont fixées dans leurs règles, dans leurs modalités? Ou alors, les dédicaces appartiennent à ce qu'on appelle le champ des habitudes, l'adat. Alors, si ça appartient au champ des habitudes, l'adat, il y a une règle de droit islamique qui est très claire, évidente, sur laquelle s'accordent tous les juristes. Al-aslu fil adat al-ibaha. La règle qui régit les habitudes, c'est la permission jusqu'à ce qu'un texte explicite vienne l'interdire. Ce qui n'est pas le cas ici. En fait, ces jeunes, souvent sans connaissance et sans science, qui viennent perturber d'autres par rapport à cette question-là, en fait, par là, ils inversent le champ du rapport à la référence musulmane sur laquelle nous nous basons pour cheminer vers Allah Azzawajal. En fait, la bonne question qu'ils doivent se demander, c'est pas de dire « Oui, mais l'imam Malik n'a jamais fait dédicace » ou bien Shafi'i, ou bien tel savant contemporain, ou tel savant contemporain. Ces honorables savants anciens qui sont décédés, et ceux qui sont encore vivants, qu'Allah les préserve, et qu'Allah accorde la clémence, rahma, ceux qui sont morts. La vraie question, c'est que ce ne sont pas eux qu'on prend comme référence pour cette question-là. Mais c'est l'argument. Je n'inverse pas, je ne fais pas d'un savant un argument. Le savant n'est pas un argument. Le savant me facilite la compréhension d'un argument. Et c'est là la dérive dans laquelle certains tombent, dérive parfois même sectaire, c'est qu'ils s'attachent à des gens, peu importe les arguments qu'ils tiennent. Or, ce qui est important pour nous, après quelqu'un a confiance en un homme de science et se fie à lui parce qu'il sait que c'est quelqu'un d'intègre, de sérieux, etc., c'est son droit. Il n'y a aucun problème par rapport à ça.
Et moi, là où je voudrais vraiment pointer du doigt une problématique, c'est le sectarisme. Le sectarisme dont se rendent coupables certains de nos jeunes. Ils ne jurent que par certains savants, qui sont des gens honorables. Certains savants, je le rappelle, anciens, décédés et contemporains encore de ce monde. Et en fait, lorsqu'ils viennent vous poser une question, ils ne demandent même pas qu'est-ce que dit éventuellement les enseignants d'islam. Mais en fait, qu'est-ce que dit un tel ou un tel? Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, lorsqu'on vient à une question, nous sommes amenés à la décortiquer. Les dédicaces appartiennent à un usage littéraire très connu, qui est universel. Cet usage n'existait pas à l'époque de l'imam Malik. Donc la question ne se pose même pas. Elle ne se pose même pas. Ça appartient à ce qu'on appelle dans le droit musulman al-urf, l'usage. Ou al-ada, l'habitude. Et al-urf, l'usage, et al-ada, l'habitude, reste permis jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à ce qu'il y ait un argument qui indique qu'il s'agit d'un argument spécifique ou un argument général, mais qui indique qu'il y a infraction, il y a dérive dans les dédicaces. Y a-t-il une dérive à écrire une dédicace en remerciant une personne qui s'est procuré le livre, en invoquant en sa faveur, en lui laissant une parole sage? Ce simplisme, je pense que ça abrutit nos jeunes. Il faut sortir de ce simplisme dans la façon et de ces discours réducteurs très, très manichéens. En fait, on dit voilà, il y a d'un côté des savants et de l'autre, par exemple, un tel ou une telle. Voilà, donc si tu ne fais pas comme ce savant-là, parce que lui ne le fait pas, donc toi tu es dans l'erreur. Qui t'a dit qu'il est dans l'erreur d'abord? Quel est toi ton bagage religieux pour pouvoir estimer qu'une personne est dans l'erreur? Et depuis quand un savant remplace un argument? Donc je rappelle, pour ce qui est, ça peut être utile pour les frères et les sœurs qui sont confrontés à certaines de ces personnes insolentes qui aiment bien faire de l'agitation, du grabuge sur les sociaux. Voilà une façon de raisonner. Et de toute façon, même ce raisonnement, si vous leur donnez, ils ne vont pas le comprendre. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne s'instruisent pas. Ce sont des gens qui déjà n'ont pas l'arabe. Ce sont des gens qui, hélas, parfois sont très sectaires. Si les dédicaces existaient à l'époque de ces savants anciens, peut-être que l'imam Malik l'aurait saisi, peut-être non. Ça, c'est le choix tout à chacun. Moi, je connais des auteurs qui ne font pas de dédicaces parce qu'ils n'aiment pas. C'est leur habitude et c'est leur choix. Ils n'aiment pas faire des dédicaces. Pas que c'est halal ou c'est haram, c'est qu'ils n'aiment pas. Mais il n'y a aucun argument charri, religieux, général, ni spécifique qui vient contredire un usage qui reste de l'ordre de l'usage permis selon la règle que nous avons indiquée, al-aslu fil ashal ibaha. Le principe qui régit toute habitude, c'est la permission jusqu'à preuve du contraire. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. J'espère que j'aurais pu quelque peu apaiser ces frères et ces sœurs qui se sont sentis perturbés par ces messages distillés par certains sur les réseaux sociaux. Puis-je travailler comme chauffeur de poids lourd dans une déchetterie, sachant qu'il y a aussi des matières illicites? À partir du moment où, bien évidemment, on travaille à détruire, d'accord, à détruire ce qu'on appelle aussi en arabe itlaf, à détruire des déchets, enfin des matériaux, des déchets même s'ils sont illicites, le problème ne se pose aucunement et il est tout à fait bien sûr permis de parce que là, nous sommes dans la destruction de la chose, pas dans sa promotion. D'accord? Regardez l'agissement des compagnons lorsque le verset interdisant la consommation du vin, al-khamr, est descendu. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les compagnons? Ils ont pris les cruches et tonneaux de vin qu'ils avaient et ils les ont déversés. D'accord? Ils ont déversé. Ils auraient pu dire, ah non, je ne touche pas. Maintenant, c'est interdit, je ne touche plus. Mais l'interdiction ne porte pas sur le fait de détruire une chose, c'est sur sa consommation, son utilisation, sa promotion, sa commercialisation. C'est là-dessus que se porte l'interdiction, on va dire, d'un produit ou d'une transaction particulière. Mais ici, le frère qui pose la question, lui, son métier, sa fonction,
c'est d'emmener des produits, donc des déchets, d'accord, des ordures, de les emmener vers la déchetterie pour qu'ils soient détruits. Okay? Et là-dedans, bien sûr, il y a des résidus de nourriture illicite, il y a des résidus de produits illicites, que ce soit alcool ou autre, canettes, etc. Ça va vers la destruction. Donc, Inch'Allah, ça ne pose aucun problème. Bien faire la distinction entre destruction d'une chose illicite et promotion de la chose, sa commercialisation et participer à encourager à la consommer ou à la répandre. Ce n'est pas la même chose. J'ai sorti la zakat l'an dernier, puis cette année mon capital s'est enrichi de nouveaux montants. Suis-je au moment de l'échéance redevable de la zakat sur le tout ou seulement sur ces nouvelles sommes? Non, c'est sur les nouvelles sommes. En fait, il faut à la fin de l'année lunaire voir ce que nous avons, à la condition toujours que le nisab ait été atteint. Même si entre-temps le capital que nous avons s'enrichit pendant l'année de nouveaux montants, on appelle ça al-mal mustafad. Le plus simple, c'est qu'à la fin, on calcule sur le tout et on sort la zakat sur ce qui est présent, Inch'Allah ta'ala. Une personne a un montant d'argent conséquent de côté, mais ne fait plus rentrer d'argent jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire que cette somme conséquente qu'elle a, elle ne s'enrichit plus jusqu'à la fin de ses jours. Elle fait la deuxième année. Cela fait la deuxième année qu'elle donne la zakat de 2,5%. Est-elle encore redevable de la zakat pour les années suivantes? En fait, c'est comme si le frère ou la sœur disait: ce capital ne bouge plus pour le restant de ma vie. Donc, il n'y aura plus de nouvelles sommes entrantes qui vont enrichir ce capital. Donc, il ou elle se demandait, sachant qu'elle a déjà donné pour 2 années consécutives la zakat, est-ce que je dois encore donner la zakat dessus? La réponse est oui. La réponse est oui. Parce que mobiliser ou immobiliser, pardon, des sommes et ne plus les utiliser, déjà, ça soulève des questions. Alors que le principe de bien, à part peut-être les épargnes, c'est encore une exception. Mais quelqu'un qui peut se servir de ces biens-là, ben, qu'il s'en serve. D'accord? Et puis aussi, le danger de ne pas sortir la zakat sur ces montants qui sont immobilisés jusqu'à la fin de nos jours, savoir qu'ils n'augmentent plus, il n'y a plus d'entrée d'argent ni rien dessus, et qui répondent aux conditions de la zakat, et ne pas donner la zakat dessus, on est directement concerné par le verset 34 de la sourate Le Repentir. Et ceux qui thésaurisent l'or et l'argent, et bien sûr la monnaie également, c'est la monnaie que nous avons, elle a une valeur marchande, comme l'or et l'argent, c'est le même principe. Ou la yunfiquna qu'ils ne la dépensent pas dans le sens Dieu, annonce-leur un châtiment qui est douloureux. Donc ce qui signifie que il n'y a pas de somme. À la limite, il peut y avoir un capital qui reste bloqué, par exemple, comme le compte épargne pension, par exemple. Le compte épargne pension, je l'expliquais dans mon ouvrage sur les zakats, c'est vous qui faites le choix d'immobiliser ces sommes. D'accord? Ce n'est pas comme par exemple une garantie locative. Une garantie locative, on nous l'impose. Il y a une somme bloquée sur un compte bancaire, on nous la remettra éventuellement s'il n'y a pas de dégâts dans l'appartement, que le jour où on quittera l'appartement. Ce montant, s'il atteint le nisab sur ce compte bancaire, après tant d'années, ben je sortirai la zakat une seule fois. Parce que les années précédentes, je n'avais pas possession de ce montant-là qui était bloqué. D'accord? Et s'il n'a pas encore atteint la zakat, le nisab, à ce moment-là, je l'additionnerai à mes autres biens pour l'année prochaine, à la condition d'atteindre toujours de répondre toujours aux conditions de la zakat. L'épargne de pension, c'est différent. L'épargne de pension, c'est l'individu qui choisit d'immobiliser un capital qui s'enrichit de manière régulière jusqu'à sa pension. Cette personne-là devra donner la zakat pour chaque année si elle répond toujours aux conditions de la zakat. Vous voyez la différence entre immobiliser des sommes, mais par imposition, on nous l'impose. Là, il n'y a pas de zakat. Et lorsqu'on fait le choix nous-mêmes d'immobiliser des sommes, là, à ce moment-là, il y a. Parce que ici, nous avons fait un choix délibéré. À ce niveau-là, il y aura d'office la zakat. Toutefois, je le rappelle, si les conditions sont toujours réunies chaque année au sujet de ce capital. Mais quelqu'un qui, selon la question qui est posée ici,
qu'il y a une somme conséquente concernant laquelle il n'y aura plus d'entrée d'argent et qui va rester comme ça jusqu'à la fin de sa vie, donc c'est-à-dire qu'elle-même elle ne va pas profiter de ce montant-là. Pourquoi ne pourrait-elle pas profiter de ce qu'elle a? Et si elle reste jusqu'à la fin de sa vie et si elle décède, ben ce seront ses, si elle a des héritiers, ce seront ses héritiers qui vont en profiter. Ben, tant mieux pour eux. Mais le risque, Inch'Allah, quand il est halal, le risque, il est fait pour s'en servir, pas pour le bloquer jusqu'à notre mort. Et pour cette raison, la zakat sera toujours due chaque année sur ce montant, Inch'Allah ta'ala. J'arrive, Inch'Allah, à la dernière question de notre live. Le prêt octroyé par la société wallonne du crédit social, selon un prêt à tempérament à 0%, pour réaliser des travaux de rénovation, est-il permis? Alors, je ne connais pas ce genre de, on va dire, de procédé proposé par la société wallonne du crédit social. Déjà, une règle importante à rappeler, c'est que un prêt à tempérament de 0%, dans un pays dans lequel nous vivons, d'ailleurs dans la plupart des pays du monde, il faut le dire clairement, à part quelques-uns, il n'existe pas de prêt sans intérêt. Parce que tout le système financier vit, on va dire, des procédés usuraires. Donc il est difficile d'imaginer qu'il n'y ait pas un calcul, il n'y ait pas un intérêt qui est calculé d'une façon ou d'une autre et qui donne un résultat 0%, mais il est toujours là. D'accord? Donc là-dessus, ce que je vais recommander à ce frère, c'est de se renseigner auprès de la société pour mieux comprendre exactement le calcul de ce prêt à tempérament de 0%. Il n'y a personne qui, en tout cas, pour ce qui est des institutions, etc., il n'y a personne qui prête, à moins que ce soit vraiment une caisse coopérative où on prête de l'argent sans intérêt. Je ne sais pas si c'est le cas pour cette société wallonne du Crédit Social. Donc c'est des cotisations. Et puis après, celui qui fait la demande, eh bien, on lui prête une somme et qui doit rembourser la même somme. Ça, à la limite, ça pourrait passer sans problème. Mais est-ce que c'est le cas pour cette société? Est-ce qu'il n'y a pas un calcul en amont qui n'est pas visible via des montages financiers de calcul d'intérêt? C'est à voir. Je pense qu'il faut être prudent et je demande, en tout cas, j'invite le frère à se renseigner, Inch'Allah ta'ala, pour ne pas s'engager sur une transaction qui pourrait poser problème sur le plan religieux et éthique, Inch'Allah ta'ala. Mes chers frères et sœurs, c'est le dernier live de notre année. Il n'y aura pas de live vendredi prochain. Je vous souhaite en tout cas de bonnes vacances, de profiter de cette période d'été, Inch'Allah ta'ala, pour le repos, pour se ressourcer. Et en tout cas, j'espère vous revoir à la rentrée. À la rentrée, je vous indiquerai le moment où nos lives reprendront, Inch'Allah ta'ala. En tout cas, je tenais à vous remercier, vous toutes et tous, pour votre confiance, pour votre fidélité. Ça fait maintenant plus de 2 ans que ces lives durent et vous avez toujours été très nombreux. Je reçois même beaucoup de messages en retour de remerciements et d'invocations de frères et de sœurs qui, alhamdoulilah, tirent profit de ces lives. En tout cas, c'est tout un bon honneur et tout l'honneur avant tout revient à notre Créateur Azzawajal qui nous a permis d'organiser ce live. Je remercie aussi le frère Omar et le frère Mohamed qui font partie de l'équipe organisatrice de ce live. Qu'Allah les récompense pour le temps qu'ils consacrent à cette activité, pour leurs conseils précieux, pour leur accompagnement, pour toute autre mission que je leur confie, afin que ce live puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Jazakumullah khairan à toutes et tous. Bonne soirée à vous. Passez un bon week-end et j'espère vous retrouver en forme, Inch'Allah, à la rentrée. À très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.